De nos jours, les virus responsables des hépatites et le VIH responsable du sida sont des virus qui circulent toujours dans la population. On estime au Luxembourg environ 1300 personnes vivant avec le VIH et entre 5000 et 10000 personnes atteintes d'hépatite virale chronique. Ces maladies peuvent être graves, voire mortelles. Il est donc important chez une personne affectée de surveiller l'évolution de l'infection. Grâce à un traitement adapté et pris régulièrement, une personne vivant avec ce virus peut vivre longtemps et en bonne santé. Pour cela, il faut un diagnostic au départ, d'où l'importance de se faire dépister, et également une surveillance régulière de l'efficacité du traitement. Heureusement, de nombreux médicaments existent. Ils sont appelés antirétroviraux et vont empêcher le virus de se multiplier. Ce que nous faisons actuellement pour le VIH ou LNS, c'est aider au final le médecin à choisir un traitement efficace. En effet, les virus peuvent être résistants à certains antirétroviraux et peuvent continuer à se multiplier même en présence du traitement. Cela peut être donc dangereux pour la personne concernée, il faut alors changer le traitement. Cette résistance est due à la présence d'une ou plusieurs mutations dans le génome du virus. Le virus du VIH est connu pour muter rapidement. Si la modification de la formation génétique impacte l'action de l'antirétroviral, on parle alors de virus variant résistant pour ce médicament. Mais pour identifier ces mutations de résistance, il faut avoir accès à la formation génétique du virus et à rechercher la présence éventuelle de ces mutations. Et c'est ce que nous faisons au laboratoire grâce à des technologies de pointe, on parle de séquençage haut débit, et aussi grâce à des outils bioinformatiques, mais également grâce à une équipe d'experts dans la technique et dans la validation des résultats. Il est ainsi possible de rendre un profil détaillé des mutations de résistance et cela pourrait s'apparenter à une carte d'identité des résistances des virus. Au LNS, nous recevons des demandes spécifiques de médecins pour la recherche de mutations de résistance du VIH aux antirétroviraux. Les échantillons de sang positifs au VIH arrivent au laboratoire. La première étape que nous réalisons est la récupération du matériel génétique, c'est-à-dire l'extraction de l'ARN du VIH, pour pouvoir ensuite réaliser manuellement les différentes étapes de préparation des fragments d'ADN à lire, c'est-à-dire à séquencer, et ce grâce à des séquenceurs. Cette analyse est longue, car il faut compter environ 3 jours avant d'obtenir les résultats à analyser. Des outils bioinformatiques sont nécessaires pour traiter les données et ensuite les interpréter. Les séquences obtenues sont comparées à une séquence de référence standard afin d'identifier d'éventuelles modifications, c'est-à-dire des mutations de résistance qui sont localisées à des endroits spécifiques du génome. Le résultat que nous rendons aux médecins est un rapport validé, accrédité, qui détaille le profil de résistance du VIH aux différents antirétroviraux. Il peut ainsi adapter le traitement en fonction de la présence ou pas de telle ou telle résistance. Grâce à ces analyses, nous pouvons aider à optimiser le traitement pour le bien-être de la personne infectée et pour lutter contre la transmission de ces virus. Cette activité est une de nos missions en tant que laboratoire de référence nationale du VIH et des hépatites avec le CHL. On contribue ainsi à atteindre les objectifs fixés au niveau mondial par l'ONU, qui vise à réduire de manière significative le nombre de nouvelles infections en mettant l'accent sur la prévention, le dépistage et l'efficacité du traitement.